dans la commune de Peltre, avec ses clés, vous pourrez rentrer dans toutes les maisons où il y a des enfants sages. Merci, monsieur le maire, mais en fait, il n'y a que des enfants sages. On le rappelle, est-ce qu'il n'y a que des enfants sages? Oui. Ah oui. Chaque année à l'automne hiver, la Lorraine t'accueille à bras ouverts. Tu défiles dans les rues de Peltre avec tes plus beaux habits, la crosse à la main, la mitre sur la tête. Tu portes un beau manteau grenat pour ne pas attraper froid. Mon ami le père fouetteur, tout vêtu de vêtements noirs, surveille les enfants fripons qui veulent tous des bonbons. Tiens, que nous attendons le plus, c'est ta visite à la salle des fêtes pour te serrer dans nos bras. Saint-Nicolas, viendras-tu chez moi? Je t'ai préparé de beaux dessins pour toi. Saint-Nicolas, surtout n'hésite pas, tu sais chez moi, tu fais comme chez toi. Je te rappelle mon adresse, c'est la rue des enfants. Tu me sais que j'ai mis du temps. Moi quand j'ai le mordeur, je ne crois rien, je fais semblant. Et quand j'entends du bruit, je me dis, ça y est, c'est aujourd'hui. Grand Saint-Nicolas, viendras-tu chez moi? J'ai préparé de beaux dessins pour toi. Surtout n'hésite pas, tu sais chez moi, tu fais comme chez toi. Tu te filmes sans doute que tous les jours et que je veux. Tu t'arrives à faire des vêtements, t'arracher les cheveux. Tu m'en choisir quand on a vu tout ce qui nous fait rêver. Mais toi bien sais, tu sais, ce qui nous rend heureux. Thank you.
Donc Saint-Nicolas édition 2017, la magie de l'hiver, encore une fois je pense une réussite. On a eu plus de 150 enfants, autant d'adultes, entourés donc des élus, des bénévoles, des animateurs. Donc voilà, encore une, je pense, une belle édition. Le temps était de la partie. Donc voilà, on entend là, ça joue à fond avec les jeux en bois. Et les adultes, collation, vin chaud, voilà, en toute convivialité. Alors après la Saint-Nicolas, ça va être Noël. Alors après la Saint-Nicolas, on travaille sur les festivités de Noël. Nous concernant, on a une soirée jeu pour les ados le 8 décembre. On a notre pain de Noël au niveau de la restauration scolaire. S'en suivra aussi le Noël du Club de l'Amitié, où on invite donc les seniors au CSE, où ils joueront, traditionnellement ils jouent le club de jeu donc, des seniors l'après-midi, puis les enfants leur présenteront un petit spectacle, et le lendemain la fête de Noël qui clôturera les festivités et le centre sera en vacances. On y tient, hein, c'est vraiment un beau partenariat entre l'association familiale, le CSE Les Pelletiaux et le conseil municipal pour assurer cette fête de Peltre, cette fête de Saint-Nicolas à Peltre. Et cette année encore un très beau succès, 158 enfants, 176 adultes qui ont répondu présents, y compris des familles qui viennent des villages voisins, qui, alors qu'on est en concurrence avec la ville de Metz, préfèrent venir à Peltre pour le côté familial de la fête. Donc c'est quelque chose qui se poursuivra au fil du temps, garder ces fêtes locales et du village. Ah, en tout cas, c'est notre volonté au niveau du conseil municipal. J'espère qu'au niveau des associations, on arrivera à poursuivre ça et qu'on trouvera toujours des volontaires pour organiser la fête. Alors, on va arriver au moment de Noël. Donc, d'autres animations sont prévues par la municipalité de Peltre. Alors, il y aura le traditionnel concert de Noël qui se tiendra le 17 janvier après-midi, le 17 pardon, décembre après-midi à 16h à l'église. Ensuite, il y aura la fête des activités du CSE. Par contre, à Nouvel An, il n'y a rien de particulier. Et après, ça sera les vœux comme à l'accoutumée. Les vœux du maire à la population, je peux déjà vous donner la date, ce sera le 5 janvier. L'association familiale donc, participe à cette Saint-Nicolas. C'est important qu'elle y participe justement. Oui, on y participe avec le CSE et la mairie. On participe surtout à la logistique pour organiser cette grande fête traditionnelle de la Saint-Nicolas. Alors, courant décembre, l'association familiale fait pas mal d'animations. Oui, on fait une animation goûter des anciens le 22 décembre avec le CSE Les Pelletiaux, au cours duquel ils présentent le spectacle de Noël, comme chaque année. On veut faire présenter un nouveau programme d'activité physique pour les seniors. Et on voudrait faire une réunion d'information le mercredi 6 décembre au Quaroy à 10h30 pour tous ceux qui voudront bien participer à cet atelier qui concernera des activités physiques de marche, de danse, de jeux individuels et collectifs, de parcours et permettant de mobiliser les fonctions cérébrales chez les seniors. Et puis ce qu'on voudrait proposer aussi, c'est un atelier diététique pour les personnes âgées qui vivent seules et pour leur donner des conseils d'alimentation, parce que souvent, quand on est tout seul, on n'a plus envie de se faire la cuisine. On perd aussi le goût des aliments, des condiments. Et donc, on organise un atelier cuisine-restauration qui sera animé par Caroline Rossi, qui est une nutritionniste, et cet atelier il est organisé le mercredi 6 décembre à 17h à la résidence de la Pépinière à Metz.